Il y a des étudiants MEF. Quand vous voulez. Bon, mais écoutez, on va, une fois n'est pas coutume, on va commencer à l'heure. On ne va pas respecter le quart d'heure bordelais, qui consiste à commencer avec une demi-heure de retard, a priori, parfois. Alors, bienvenue à tous, ceux qui êtes ici à Mérignac, et bienvenue à toutes et tous ceux qui êtes sur les sites de l'ESPE. Bienvenue à tous, donc, depuis Pau, Mont-de-Marsan, Agen et Périgueux, puis bienvenue à vous tous et toutes, bordelais, bordelaises. J'ai le grand plaisir d'accueillir Catherine Mendonça-Dias. Alors, c'est un double plaisir. C'est d'abord une personne, en fait, qui est l'une des expertes peut-être les plus abouties sur la question de l'allophonie, dont on va parler de suite. Et puis, c'est par ailleurs une amie. Donc, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir l'inviter. Peut-être un petit mot. Était prévue une autre collègue, Cécile Goy, qui est par ailleurs aussi une excellente collègue à nous, puisqu'elle est dans le groupe qui s'appelle l'ADEB, une association qui s'appelle l'Association pour le développement de l'enseignement biplurilingue, ADEB. Il y a même un site, c'est adeb.asso.fr. C'est une association qui a été créée une quinzaine d'années et qui travaille sur les didactiques de contact entre les différentes langues, notamment le français enseigné dans des lycées français ou établissements français de l'étranger, et puis bien évidemment le français enseigné à des élèves allophones, ou le français enseigné dans des cadres de bilinguisme. On pense au bilinguisme français langue régionale, notamment dans notre académie, avec l'occitan ou avec le basque, mais aussi avec d'autres langues. Bref, tout ce qui est didactique du bi-plurilinguisme. En effet, quand on apprend une langue, et c'est ce que Catherine va, je pense, développer, quand on apprend une langue à l'école, il y a déjà une langue qui est en place. Rien n'est... Il n'y a pas de tabula rasa, comme on l'a dit parfois, ou comme on peut nous faire croire, chez l'enfant avant qu'il ne soit scolarisé. L'âge de la stabilisation synaptique, c'est 7-8 ans. Avant 7-8 ans, il y a plein de choses qui se sont passées, plein de choses qui se sont passées avant l'école. Alors, je tiens à excuser Cécile Goy et ses fonctions de vice-présidente de l'Université de Tours l'ont malheureusement retenue. Et je tiens encore une fois à remercier très chaleureusement Catherine pour sa capacité à rebondir immédiatement et à pouvoir nous faire le plaisir de se joindre à nous. Alors, je vais demander quelques mots de présentation. Je ne sais pas comment présenter Catherine, qui a un panégyrique et puis un CV assez exponentiel et assez explosif. Alors, écoutez, je me permets de lire ce qu'elle m'a écrit il y a quelque temps. Il y a 13 ans, j'étais dans les mêmes lieux en train de préparer mon CAPES de lettres modernes. Formation dont je garde un excellent souvenir. Bon, comme quoi, le souvenir est bon. Tout en faisant mon M2 de didactique du FLE-FLS. Et en travaillant au musée des douanes et à Cap Science. Bon, donc beaucoup de choses déjà. Après année de stage, Catherine a enseigné directement dans des dispositifs auprès d'élèves allophones. Et puis elle a assuré des missions de formatrice dans l'académie d'Amiens et puis de Bordeaux. Cela a conduit Catherine Mendonça-Dias à accueillir plus de 500 familles migrantes et à organiser de très nombreuses formations pour les enseignants. En même temps, elle a poursuivi cette recherche sur les enfants et adolescents qui acquièrent des compétences en langue française. Très récemment, donc, elle a pu piloter une mission auprès du défenseur des droits, dont on nous parlera peut-être plus en détail, qui s'appelle Eva Scholl, et pour beaucoup, donc, il sera présenté par élément de synthèse dans cette présentation de ce soir. Alors, la forme de la communication qui va être présentée est un peu différente de ce qui se passe ordinairement. On a généralement un énoncé un peu magistral, puis quelques questions qui sont posées à la fin. Ici, donc, la proposition qui était faite par notre invité, ça a été, en fait, à partir de 5 mots-clés, de pouvoir présenter de manière beaucoup plus interactive des éléments qui seront, je crois, d'une bonne dynamique de formation pour nous, enseignants, pour nous, stagiaires, pour nous, futurs enseignants, qui seront sans aucun doute amenés à travailler et à accueillir des élèves allophones et à travailler avec eux. Donc un grand merci et parole à toi, Catherine. Merci. Merci Pierre, merci de l'invitation, merci de cette présentation aussi très dense. Alors c'est vrai que j'avais donné quelques petits mots de présentation, juste rappeler que je venais aussi de l'UFM, alors à l'époque c'était l'UFM, de Bordeaux, donc j'étais contente de revenir ici. Alors l'amphi Louis Michel n'était pas encore là, hein, mais par contre le parc était bien présent et donc on travaillait toute la journée et on allait bien manger nos sandwichs au parc. Et là aujourd'hui on bénéficie d'un petit rayon de soleil, donc ça a l'air toujours aussi attractif.
Donc, cette période de préparation du concours, et puis quand j'ai réfléchi à cette présentation de la conférence, je me suis projetée aussi sur la position des étudiants qui sont dans le Master MEF. Et c'était une période qui était très intense intellectuellement, très lourde, très chronophage, très épuisante, mais aussi très stimulante intellectuellement, parce que c'était un temps, moi j'étais en lettres modernes, donc c'était un temps qui était consacré à travailler sur l'ancien français. Et mine de rien, j'appréciais l'ancien français, on faisait du latin, on reprenait de la poésie, on retournait sur la littérature, on travaillait sur énormément de connaissances pour lesquelles il y avait des passions qui étaient nées et qui m'a conduit et qui a conduit mes collègues aussi vers la voie de l'enseignement. Et finalement, le mot élève, le mot l'enseignement n'était pas si présent. Alors je pense que les choses ont évolué entre la période de l'IEFM et l'ESPE, mais l'élève n'était pas forcément au cœur de cette préparation. Et très rapidement, ensuite, quand on a le concours, on est plongé dans la classe. Et alors là, l'élève, il est omniprésent. Et là, vous verrez, plus que le temps avance, peut-être moins on a le temps ensuite de prendre du recul pour retourner vers des ouvrages, vers des lectures clés qui nous sont animées. Donc là, on passe sur une autre période. Alors pour cela, je trouvais très intéressant que l'ESPE d'Aquitaine mette en place les boussoles. Pour moi, quand j'ai vu boussole, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée, parce que ça donne des directions, et la direction que j'ai voulu prendre avec vous pour cette conférence, c'était la direction de l'élève. Alors certes, ici, ça va être les élèves venus d'ailleurs, une expression qui vient de l'ouvrage de Cécile Goy, qui sera citée un peu plus tard. Donc des élèves qui sont saisis pour une particularité, ici le fait d'être allophone. Alors peut-être que l'allophonie, ça ne vous parle pas. Il ne faut surtout pas se sentir ignare là-dessus, puisque c'est un néologisme relativement récent. L'allophonie, vous pourrez regarder dans vos tablettes et dans les dictionnaires, ça n'est pas présent, c'est un terme qui vient au départ de la phonétique et qui, par dérivation, ensuite a été associé aux élèves, aux personnes qui parlent une autre langue que celle du territoire, et par dérivation, là, on a créé le substantif allophonie, récemment. Et d'ailleurs, on a un ouvrage là qui est en préparation, qui porte sur l'allophonie. Alors, l'allophonie, d'ailleurs, ce sont les personnes qui ne maîtrisaient pas trop la notion. C'est-à-dire, c'était un terme allophone, on l'utilisait pour ne pas parler de non-francophone. C'est-à-dire qu'on parlait des élèves, c'est non-francophone, et du coup, on pointait le manque. Ce qui était très négatif, alors que ce sont des jeunes qui viennent d'autres pays et qui ont tout un répertoire langagier très riche. Et donc, le fait d'utiliser allophone, c'était aussi une façon de pointer cette richesse langagière. Et puis aussi, le terme non-francophone est impropre, parce qu'on n'est pas non-francophone pendant des semaines et des semaines lorsqu'on est en immersion en France. Donc c'était aussi une terminologie qui ne peut pas fonctionner dans la réalité de l'apprentissage de l'élève. Donc le terme allophone a été ensuite institutionnalisé, et puis les acteurs qui manipulaient ce terme ont utilisé l'expression allophonie, ce qui nous a surpris. Enfin, moi personnellement, au départ, ça m'a surpris. Et puis finalement, c'est la langue qui évolue et c'est quelque chose qui se constitue. Et l'avantage aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de représentation sur ce terme-là. C'est un terme qui est quand même porteur aussi peut-être une autre période. Alors, ceci dit, je vais donc vous présenter le contenu de mon intervention. Juste avant de commencer, je vais saluer, puisque je dis à mes étudiants du DU et de licence 3 qui vont aussi suivre à distance ou peut-être après la conférence, donc j'en profite pour les saluer. On en reparlera en cours plus tard. Alors, pour la conférence, j'ai souhaité ne pas faire une conférence magistrale. Donc là, j'expérimente avec vous une formule un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai voulu mettre en place des petites vidéos et puis rebondir dessus en ayant quelques éléments indicateurs qui vous seraient utiles. Donc je vais commencer par une vidéo documentaire de l'AFP, l'Agence France Presse, où vous allez voir une classe. C'est une façon de rentrer directement dans un milieu scolaire. Et donc, il va y avoir une enseignante qui s'appelle Hélène Samansky et qui, d'ailleurs, actuellement accueille nos étudiants de Paris 3 en stage. Alors, on va commencer directement par entrer dans un établissement scolaire.
Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous rappelez ? Elle s'appelle oui. Déborah. Elle a 12 ans et elle arrive de République centrafricaine pour rejoindre son père, installé en France depuis déjà 17 ans. En ce début septembre, elle fait sa rentrée dans une classe ENSA, autrement dit réservée aux enfants non scolarisés auparavant. La principale mission de cette classe, c'est que Mamedi, que Déborah, que Mamoudou apprennent à bien parler, lire et écrire le français. Venus d'Afrique ou du continent asiatique, les 15 enfants de cette classe d'accueil découvrent parfois l'école en même temps qu'ils découvrent la France. Certains, comme Mamedi, arrivés du Mali en traversant la Méditerranée avec d'autres migrants, n'a quasiment connu que l'école coranique, mais tous attendent beaucoup de leur intégration dans le système français. Moi, je fais des études pour avancer dans la vie. Moi, j'attends pour qu'un jour, je devienne quelqu'un pour aider mes parents. C'est la 7e année qu'Hélène Zamanski s'occupe des élèves ENSA dans ce collège de banlieue parisienne. Une mission qui passe, selon elle, par beaucoup de patience et de bienveillance. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de rassurer les enfants qui peuvent arriver dans des contextes compliqués ou auxquels ils n'adhèrent pas forcément, ils ne sont pas forcément d'accord pour être ici. Donc déjà, les accueillir, les entendre, s'ils sont déjà un petit peu francophones. Ces élèves, à qui d'anciens ENSA font découvrir leur collège, vont passer entre une et trois années dans le cocon de leur classe d'accueil, à raison de 12 heures hebdomadaires de français et de 6 pour les autres disciplines. Puis ce sera le passage en classe normale, un cursus parfois rendu difficile par leur vie personnelle. On peut être étonné de voir de tout petits enfants qui maîtrisent très peu le français prendre deux RER, deux bus pour venir jusqu'à nous, et après déménager, aller dans un autre établissement et à nouveau se réadapter. Mais pour le collège, la présence de ces élèves un peu particuliers apporte surtout une grande richesse culturelle et linguistique. À eux seuls, les 15 ENSA parlent une vingtaine de langues et dialectes. Donc, ce documentaire permet d'aborder les différentes entrées que j'ai choisies pour cette communication. Alors, tout d'abord, on voit la situation migratoire. Il y a donc des familles qui arrivent. On voit la situation de l'accueil. D'ailleurs, c'est ici l'image. On accueille la famille et puis la scolarisation. Ici, dans une unité pédagogique pour élèves allophones qui ont la particularité d'avoir été peu scolarisés antérieurement. Et puis, on va parler de l'allophonie, le fait de parler d'autres langues. Dans le documentaire, il sera question de cette richesse, cette diversité. Et l'enseignante va évoquer les objectifs de son unité, les objectifs de son enseignement, qui ne sont pas des objectifs exclusifs, mais notamment l'appropriation de la langue française. Et évoquer un peu l'enseignement, ça on va le voir en dernier point. Donc ce sont les cinq entrées que j'ai choisies de vous présenter pour cette communication. J'espère que ça va vous permettre d'avoir une représentation de ce qui se passe lorsque des élèves arrivent, vous permettre aussi de vous décentrer pour essayer de comprendre un peu le point de vue de l'enfant et pas simplement la position de l'adulte vis-à-vis de l'élève et des objectifs du socle, etc. Donc avoir peut-être un point de vue un peu plus élargi pour qu'on ait aussi une approche holistique de l'enseignement auprès des élèves, de façon générale, d'ailleurs. Alors, pour la question du fait migratoire, mon choix s'est porté, alors j'avais plusieurs choix vidéo, mon choix s'est porté sur un extrait vidéo québécois. Alors, québécois, pourtant, là, on est dans le contexte français, c'est simplement que je travaille avec des collègues québécois, et on s'est rendu compte, notamment avec Yann Carrien et puis d'autres trop de collègues, que finalement, on était dans des configurations analogues avec des situations. On a des élèves qui viennent d'autres pays, qui ont d'autres parcours, et ils arrivent, ils sont scolarisés, les enseignants doivent faire face à des particularités, des profils langagiers, scolaires, aussi personnels. Ici, ce choix d'extrait vidéo, c'est pour aussi permettre à faire exprimer le fait migratoire à travers la parole de l'enfant ou de l'adolescent, pour le coup.
Il s'agit en fait d'un documentaire qu'on peut se procurer en DVD, hein, il s'appelle « Bagages ». Alors en fait, c'est un projet de classe qui a été réalisé dans l'école Paul Gérin de la Joie d'Outremont, à Montréal. Et ce projet de classe consistait à réaliser une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre avait pour thématique parler de la migration, et donc permettre de faire émerger la parole des élèves là-dessus, pouvoir échanger et travailler aussi sur le discours autobiographique. Le travail a été mené avec l'enseignante, une comédienne, et puis Paul Thom, réalisateur, a filmé à la fois le spectacle, mais aussi toute la préparation en amont. C'est un projet ensuite qui s'est perduré, je crois, les années suivantes. Donc là, je vais vous montrer simplement le teaser, qui va permettre en fait, de mettre des mots, les mots des enfants sur le fait d'être migrant ou d'être migré, puisqu'ils ont quitté leur pays. Alors, je ne me trompe pas. Je viens de la Moldavie. Je viens de l'Égypte. Je viens du Brésil. Je viens de l'Iran. Et ça fait un an et demi que je suis au Québec. Зачем вам это? Я не говорю по-французски, вам не будет интересно. Тем кое-то осталось, не гимн барбаре, джоле баше гимн хамтарик. D'accord. Je vais vous raconter mon histoire. Je vais te demander de fermer les yeux puis de me dire qu'est-ce que tu imagines quand tu penses à ton pays. Je vois ma grand-maman. Ma maison, la plage, le carnaval. Je vois les voiles sur la tête des femmes. Je vois mes quatre meilleurs amis. Nous sommes ensemble. Nous allons déménager au Canada. Sure. C'était quand même un moment épouvantable. Pourquoi tu me fais ça, maman? Tu auras une meilleure vie au Canada. Ah, je suis contente de vous voir et de commencer le projet. Deux nouvelles personnes en art dramatique. Français? Non. Anglais? Non plus. Tout est changé. Est-ce que tu as l'impression que tu as perdu une partie de toi parce que tu es au Québec? Non. C'est la situation qui change en moi. Je reste la même. J'ai hâte d'avoir l'accent québécois. Lala! Je m'en fous, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme je suis née ici. Si quelqu'un dans la future me demande est-ce que tu es née ici, je pense un jour je vais dire oui. On a les mêmes histoires. Ça me fait penser à une famille. Excusez-moi pour les problèmes de visionnage. Alors, j'apprécie. Alors, ensuite, c'est la parole de l'enfant, mais dans le contexte scolaire. Donc, il y a des limites dans l'expression et puis dans la façon dont on s'est présenté au spectateur. Mais j'ai trouvé cet extrait particulièrement intéressant parce qu'en fait, j'ai beaucoup enquêté auprès des enfants, et notamment en travaillant à partir de dessins. Et ces phrases, il y a certaines phrases, j'ai entendu presque telles quelles. Notamment, c'est pas moi qui change, c'est la situation qui change. Ça, c'était des mots que j'ai entendus des élèves. Si l'importance de l'UPE2A, là, ça s'appelle classe d'accueil là, à Montréal. Mais il y a des phrases, réellement, on les entend et ça rentre vraiment en résonance, comme quoi il y a des choses. Voilà, c'est quelque chose qui traverse, qui n'a pas de frontières. Ce sont des situations, quelles que soient les langues. Lorsque les enfants sont migrants, il y a des choses qu'on retrouve d'un point à un autre. Et donc, on peut travailler aussi avec des collègues sur d'autres territoires, sur les mêmes problématiques. Alors, juste, c'est un petit point, juste pour vous dire, si ça vous intéresse, ce projet théâtral, je vous invite à regarder le site Elodil, québécois, éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique, avec les travaux de Françoise Armand. Alors, aide migrant, donc je vais vous donner quelques indicateurs assez rapidement. En France, on recense 60 700 élèves allophones pour 2016-2017. Ce sont des chiffres approximatifs, mais qui donnent quand même une échelle de grandeur. Ce sont des chiffres qui ont été récoltés parce qu'il y a une enquête annuelle. Et donc, chaque année, les établissements scolaires doivent indiquer combien d'élèves allophones ils ont dans leur établissement.
Alors, des fois, c'est un, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a tout un dispositif, etc. Les chiffres remontent à la division à Paris où il y a le service des statistiques et ça nous donne ces chiffres. Voilà, qui concerne en fait les élèves qui sont arrivés dans l'année en cours ou l'année précédente. Mais sachant qu'en fait, il y en a plus, puisqu'il y en a qui sont arrivés il y a 3 ans, il y a 4 ans, et l'apprentissage de la langue française, ce n'est pas sur une seule année. Donc, ce petit point que je souligne, c'est simplement pour dire que ben, vous allez être amené en fait, à avoir des élèves allophones dans votre classe, avec des degrés différents de langue française. Alors pourquoi l'enfant est parti ? Alors, je parle souvent que l'enfant est migré parce que c'est pas une décision d'enfant de partir de son pays, c'est une décision d'adulte, généralement. Ensuite, l'enfant adhère ou non à cette trajectoire migratoire. Alors il peut être parti seul et hors cadre familial. C'est donc le cas des mineurs non accompagnés. Tout à l'heure, il y avait une collègue du lycée qui expliquait justement qu'il y en a de plus en plus. Alors ce sont des jeunes qui quittent leur pays pour plusieurs raisons, soit qu'ils sont exploités, soit parce qu'il y a des problèmes, soit on a aussi des enfants soldats, soit enfin, il y a pas mal de situations très complexes qui amènent en fait un jeune à quitter son territoire et à parcourir de longs kilomètres pour arriver dans un autre pays, qui n'est pas forcément le pays de destination. Hein. On a des récits de Kaboul à Calais, par exemple, l'histoire d'un Afghan qui explique bien que ce n'était pas à Calais qu'il voulait s'arrêter, il voulait partir en Angleterre. Donc, on a le cas des mineurs non accompagnés. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous reporter aux travaux d'Angelina Etiamble et Omar Zana, qui ont fait un rapport et qui permettent en fait d'avoir des typologies de situations. Ensuite, il y a des enfants qui partent vers un nouveau cadre familial. C'est un cas très courant, notamment le regroupement familial, où on a un enfant qui va, il a son père ou sa mère qui est en France, et après plusieurs mois ou plusieurs années, parce que des fois la possibilité de regagner le pays prend plusieurs de temps, plusieurs années, il va retrouver un membre ou une famille reconstituée, il va découvrir un petit frère ou une petite sœur. Et en même temps qu'il retrouve, il quitte les membres de la famille qui s'occupaient de lui précédemment. Alors, il peut y avoir aussi des situations d'accueil chez un membre de famille, notamment pour des jeunes qui vont avoir une kéfala et donc qui vont être adoptés par un membre de la famille, ou on a pas mal de situations où ce sont des enfants qui vont partir en vacances avec leurs parents pour une semaine en France et les parents disent ben, « je reviendrai plus tard ». Et en fait, la décision des parents était de laisser l'enfant parce qu'il y a un membre de la famille, par exemple, qui accepte de prendre en charge l'éducation de cet enfant. Donc, il peut arriver que les enfants ne soient même pas au courant, en fait, qu'ils sont dans un séjour qui va perdurer. Donc, ça peut générer, effectivement, sur le plan de l'apprentissage, certains effets, dans la mesure où on se projette ou non dans cette situation migratoire. Alors, il y a la situation de l'adoption. Il y a des enfants qui arrivent avec un ou deux parents. Donc, c'est le cas de l'embauche, hein, de la migration économique et professionnelle. Les parents ont trouvé un contrat d'emploi, ils arrivent. Petite parenthèse, lorsqu'ils sont expatriés et fils d'ingénieurs, on ne les retrouve pas forcément dans les mêmes établissements scolaires. Certains vont partir plutôt vers le privé. Et puis, on a aussi les enfants qui sont enfants de demandeurs d'asile. Alors là aussi, c'est aussi un nombre assez considérable d'enfants. Alors, l'enfant lui-même n'est pas demandeur d'asile, hein, ce sont ses parents qui font une demande. Lorsque la demande est agréée, dans ce cas-là, ils obtiennent le statut de réfugié. Et si la demande d'asile n'est pas agréée, dans ce cas-là, ils sont déboutés. Ils peuvent rester sur le territoire français pendant une certaine période pour pouvoir faire appel. Ils peuvent recevoir aussi un ordre de quitter le territoire français. Mais dans cette période, c'est une période qui est très fragilisante pour l'enfant, puisqu'en fait, les parents peuvent rester en France, mais ils ne bénéficient plus de droits. Enfin, ils ne bénéficient plus d'aide et n'ont pas le droit de travailler. Donc, ils sont dans une situation de paupérisation accrue, extrêmement précaire. Ce qui fait que lorsque ça arrive dans son établissement, c'est très difficile, et donc ça demande à toute l'équipe éducative de se mobiliser, parce qu'on se retrouve avec des enfants qui sont des fois un peu mis en danger ou qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas de logement. Donc je cite parce que ça, c'est des cas quand même qui peuvent arriver. On a aussi les enfants qui arrivent pour les soins médicaux, notamment en région parisienne, et des retours de Français.
Alors, sur le plan de l'enseignement, ça va créer une instabilité du projet, du logement, de la cellule familiale. Alors, j'avance parce que je vois que le temps avance. Alors ça, c'est une petite, un petit clin d'œil pour les personnes qui vont rester dans l'enseignement ici. C'est pour vous montrer c'est une cartographie qui date de 2015-2016 que j'avais produite pour le rapport Evascol à partir des données du rectorat du CASNAV. Là, on voit en fait qu'il y a des élèves qui sont éparpillés, enfin, là c'était dans l'académie, et qui sont éparpillés un petit peu partout. Donc c'est vrai que vous allez pouvoir vous retrouver dans des établissements où il va y avoir des élèves allophones. Alors, j'ai choisi pour chaque entrée 3 références bibliographiques pour ne pas vous noyer. Donc, c'était très dur de faire une sélection. Donc, j'ai sélectionné François Héran et je signale qu'il va être en conférence le mois prochain ou en mars, là, hein, c'est en mars, à Bordeaux. Donc, vous pourrez retrouver ça, c'est organisé avec la municipalité de Bordeaux. Alors, c'est un petit livre très, très, très simple, Parlons immigration en 30 questions, et très efficace, très précis. C'est un sociologue, anthropologue, et qui travaille aussi sur la démographie et sur les statistiques. Et donc, c'est vraiment un ouvrage qui permet d'avoir des repères. Ensuite, je vous ai proposé aussi l'ouvrage de Marie-Rose Moreau, En clinique transculturelle, enfant d'ici, venu d'ailleurs. Elle est passée le mois dernier, elle est venue faire une conférence aussi sur Bordeaux, à l'Université de Bordeaux. Et puis, avec Maïtena Armagnac, nous avons travaillé sur l'expression du point de vue de l'enfant sur la migration à partir de leurs dessins. Et là, vous pouvez retrouver des dessins qui sont en ligne sur Internet. Mais je vous donnerai les références tout à l'heure. Donc voilà, trois références. Alors, on arrive à la scolarisation. Donc, pour la scolarisation, j'avais pensé, donc voilà, les élèves arrivent, cette trajectoire migratoire, et ensuite, ils vont arriver en classe. Alors, comment ça se passe, le début de la scolarisation? Alors, j'avais pensé faire venir une collègue qui est professeure des écoles au collège, et puis comme, voilà, c'est un peu tard, on ne savait pas s'il allait pleuvoir, parce qu'en ce moment, il n'arrête pas de pleuvoir et on est en vélo, donc finalement, on s'est dit, on va faire un montage vidéo, je lui fais une petite interview, et donc je vous repasse le montage vidéo qui va vous permettre, en fait, d'avoir le discours d'une professionnelle, Michèle Leroy, qui exerce dans un dispositif bordelais. Tu l'as dit tout à l'heure. Égo. De côté. Égo. Égo. Des côtés égo. Des côtés égo. Égo. Qu'est-ce que tu as dit avant? Deux à deux. Deux à deux. Très bien. Deux à deux. Et qu'est-ce qu'il a aussi le rectangle? Hein? Qu'est-ce qu'il a aussi le rectangle? Piquant. Piquant. Oui. Alors, on n'appelle pas ça des piquants, mais des. Quatre côtés. Quatre. Sommet. Donc, je suis Michèle Leroy, je suis professeure des écoles et je travaille au Collège Blanqui depuis 5 ans. C'est ma 5e année, donc en UPE2A, NSA, donc avec des élèves qui n'ont jamais été scolarisés auparavant. Le droit. 4 angles. Très bien, 4 angles droits. D'accord. Donc, on a ajouté quelque chose à notre carré. Et le rectangle? Est-ce qu'il a des angles droits, le rectangle? Non. Alors, des fois, ils ont été un petit peu scolarisés et ils ont des petites bases. Là, on a de plus en plus d'élèves qui n'ont jamais, réellement jamais mis les pieds dans une école à cause des guerres ou à cause de situations familiales dramatiques. Allez, asseyez-vous, je fais la paix. Tous affectés dans une classe, dans leur classe d'âge. Donc, j'ai des élèves de la 6e et de la 3e. Ils appartiennent à leur classe. Et ils vont avec leur classe en EPS, en éducation musicale et en art plastique. Donc ça me fait des élèves de la 6e à la 3e, de 11 ans à 16 ans.
voir des élèves de 5e bien plus performants que des élèves de 3e. Et puis des élèves qui sont performants en maths, qui ne sont pas du tout en langue, enfin qui n'entrent pas dans la lecture ou qui n'entrent pas dans le processus d'écriture. Et inversement, des élèves qui commencent à lire, à rentrer dans l'écriture et qui n'arrivent pas, toujours pas à comprendre certains concepts en mathématiques. D'accord. Que les groupes sont réduits. Ça, c'est plutôt intéressant pour faire un travail plus soutenu. C'est aussi très compliqué parce que ils partent. Quand c'est jamais les mêmes élèves qui partent. C'est pas les élèves qui ont forcément le même niveau qui partent. Et je peux me retrouver avec, par exemple, 3 élèves avec 3 niveaux complètement différents. Le reste des exercices, mais il faut être créatif, il faut inventer tout le temps. Parce que les supports, donc on est dans le cycle 1, début de cycle 2, il faut que ce soit aussi adapté à des élèves de 15 ans. Il faut surtout pas se figer sur une méthode. C'est pour ça que moi, j'aime pas le mot méthode. Parce que c'est des supports plutôt. C'est des supports et c'est des façons d'entrer dans la lecture. Il y a des élèves qui vont faire les analyses eux-mêmes. Donc ceux-là, ils ont toutes les chances de réussir. Ils vont comprendre que, Gospodine, ça commence comme gomme. Ils vont déchiffrer le mot gomme comme ça en se disant, tiens, ça c'est... Voilà. Ils vont utiliser leur connaissance. Il y a des élèves qui ne font que photographier les mots et donc c'est difficile parce qu'au début, ils ont très peu de mots. Ils ont déjà très peu de mots à l'oral, donc il faut d'abord qu'ils donnent du sens aux mots qu'ils photographient à l'écrit pour pouvoir s'en emparer. Et les élèves, il y a des élèves aussi qui vont avoir besoin de faire de la combinatoire tout le temps, de savoir que... O et I, ça fait wa, et que donc 2 et wa, ça fait doigt. Le carré. Vous avez écrit 4 côtés égaux, 4 sommets. Et bien, à côté, vous trouvez une petite place et vous écrivez 4 angles droits. Moi, j'ai écrit 30, ça va ? Est-ce que tu as écrit 4 angles droits ? Non, tu ne l'as pas écrit. Tu l'écris ici. Personne ne l'a écrit, parce qu'on va le découvrir. Donc on écrit ça en plus là où vous avez... Vous avez les propos de Michèle Leroy, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Enfin, ça fait plusieurs années que je travaille avec elle, puisqu'on travaille avec sur le projet FLS Sorbonne. C'est les étudiants qui préparent des séquences pédagogiques et des enseignants qui sont en poste, qui les expérimentent et font un retour aux étudiants. Donc, j'ai pu assister à des mises en œuvre de séquences. Et donc, ça permet ici d'avoir son discours. Voilà, elle présente un peu son dispositif, l'unité pédagogique pour les élèves peu scolarisés antérieurement. Et puis, elle fait part aussi de certaines difficultés dans cette organisation en unité, avec des élèves qui viennent de différents âges, le fait qu'il n'y ait pas de support, le fait qu'il faille créer, le fait que certains élèves apprennent à lire dans une langue seconde, pour lesquels ils n'ont pas encore de compétences, ils n'ont pas encore de la maîtrise à l'oral. Donc ça permet d'avoir cette présentation bien plus vivante que si je vous l'avais présentée moi-même. Alors, j'ai essayé de rapidement vous expliquer comment la scolarisation est mise en place, plus spécifiquement pour des élèves qui viennent d'un autre pays. Ça, c'est un petit peu la page utile, parce que vous avez cette connaissance institutionnelle. Donc, lorsque l'élève arrive avec sa famille, il va être accueilli par un service du rectorat qui s'appelle le CASNAV.
C'est le Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France et des élèves issus des familles itinérantes et de voyageurs. Donc, j'espère que vous avez tous retenu. Voilà. Je l'ai écrit après pour mes mots. Donc, le CASNAV, en fait, c'est un service du rectorat qui sait, ce sont tout simplement des enseignants qui ont une décharge, qui sont en poste, mais qui passent, qui vont avoir une matinée, une journée de décharge où ils vont être, ils vont s'occuper d'accueillir des familles ou bien de faire de l'information ou de la formation auprès d'enseignants qui ont des élèves allophones. Ils font aussi de la création d'outils, enfin, ils font énormément de choses. Et c'est une équipe là qui permet voilà, de pouvoir assurer l'accueil, le suivi et tout ce qui... les ressources, aussi un soutien aux ressources pédagogiques. Alors, lors de cet accueil, il y a un entretien permettant de pouvoir connaître un peu la scolarisation antérieure de l'élève, et puis ensuite un bilan qui est fait avec toutes les précautions qu'on peut avoir dessus. Il y a Emmanuel Huvert et Cécile Goy, d'ailleurs, qui ont écrit dessus. Voilà, il y a des précautions, parce que les élèves, lorsqu'ils arrivent, ils n'ont pas forcément des performances qui correspondent à leur classe d'âge. Mais ça permet d'avoir des indicateurs, déjà, savoir s'ils sont lecteurs ou non lecteurs. D'accord ? Ça donne des indicateurs, ensuite. C'est à apprendre aussi avec des fous. Voilà. Alors, lorsqu'ils sont accueillis, ensuite, ils peuvent être inscrits, avoir une double inscription. C'est-à-dire que tout élève est inscrit dans sa classe de rattachement, que ce soit en CP, en CE1, en 6e, en 5e, en seconde, etc. Si, dans la ville, il y a une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, donc une UPE2A, alors avant, on appelait ça des classes d'initiation dans le primaire, par exemple, ou des cours de rattrapage intégrés. Et puis, dans le secondaire, on appelait ça des classes d'accueil. Alors, on a harmonisé l'expression, donc c'est UPE2A. Donc, s'il y a une UPE2A, l'élève peut avoir cette inscription pédagogique. De ce fait, il va être retiré de sa classe de rattachement pendant un volume horaire variable. Ça dépend du nombre d'heures, des moyens de l'établissement. La circulaire de 2012... indique que ça serait autour de 9 heures pour les enfants du primaire et autour de 12 heures pour les enfants du secondaire, d'apprentissage intensif de la langue française, avec éventuellement des cours dans certaines disciplines, telles que les mathématiques ou les cours d'anglais, par exemple pour certains enfants qui n'ont pas étudié l'anglais dans leur pays d'origine. Mais ça, c'est très variable. Justement, nous avons travaillé sur un rapport, le rapport à Evascol, qui a été évoqué dans l'introduction de Pierre, c'est variable d'une académie à l'autre et même d'une ville à l'autre. Alors, s'il n'y a pas du PE2A, dans ce cas-là, on organise de façon interne, et dans ce cas-là, on contacte le CASNAV, on organise de façon interne un accompagnement linguistique. Alors, dans les UPE2A, les élèves vont étudier le français en tant que langue scolaire. C'est-à-dire que la finalité, ce n'est pas qu'ils sachent aller à la boulangerie pour savoir s'ils vont acheter une chocolatine ou un pain au chocolat, c'est de pouvoir comprendre le discours du professeur de mathématiques, d'histoire-géographie, de pouvoir interagir, sachant que dans l'univers scolaire, certes on parle de la langue de l'école, mais ce n'est pas aussi compartimenté. Forcément, il y a de la communication usuelle, informelle qui est travaillée, mais l'objectif qui est visé par l'enseignant va aller au-delà, essayer de faire travailler les discours en langue française pour que les élèves puissent ensuite acquérir de l'autonomie dans l'ensemble des disciplines. Donc, il y a vraiment une visée scolaire. Et donc, on peut parler, dans les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, certains cours de disciplines dites non linguistiques, ce qui est complètement impropre, parce que normalement, c'est plutôt pour les sections internationales, sections bilingues, mais c'est pour dire qu'il y a certains cours, tels que les mathématiques, des disciplines dont l'objectif, la finalité, ce n'est pas la langue, mais ça va être les mathématiques. Et donc, il y a ce type de cours qui peuvent être présents dans les UPE2A. Alors, des fois, c'est les mathématiques, des fois, il y a aussi l'histoire-géographie, il peut y avoir les sciences, ça, c'est très variable d'une discipline à l'autre. Donc, l'enjeu, ça va être à la fois de travailler les compétences scolaires de la discipline et de travailler aussi les dimensions langagières, ce qui est un gros enjeu pour l'enseignant, on le verra au moment de l'enseignement de la dernière rubrique que je vais vous présenter de la formation. Alors, tout cela, vous le retrouvez de façon très cadrée dans la circulaire de 2012, avec tous les éléments institutionnels, factuels, sur lesquels vous pouvez vous reporter, vous trouvez facilement en ligne.
Alors, je vous ai remis, juste pour mes mots, alors, je ne sais pas si vous êtes comme mes étudiants, vous prenez une photo, mais comme c'est sur YouTube, vous pourrez toujours faire un arrêt sur image, les sigles et acronymes, si vous ne les connaissez pas. Voilà, pour le site, notamment celui du CASNAV, qui est particulièrement long et qui demande un entraînement de plusieurs années pour pouvoir le dire rapidement. Alors, pour ce point sur la scolarisation, j'avais retenu forcément sur la scolarisation le rapport qu'on vient de terminer, le rapport EVASCOL, qui est en ligne accessible sur le site du Défenseur des droits. Donc, la référence Armagnac, Cossé, Mendonça, Rigoni, Tersigny, c'est une. En tant qu'ordinatrice, voilà, vous avez nos noms, mais ensuite, c'est une équipe extrêmement élargie avec beaucoup de chercheurs de différentes disciplines. Et nous avons travaillé sur une analyse de 4 académies pour voir les conditions de scolarisation depuis l'arrivée en France et puis comment ça se passe dans les classes, avec différentes centrées, notamment les centrées sur les compétences ou sur le point de vue de l'enfant. Donc ça, vous le retrouvez. Ensuite, un autre ouvrage, alors là, c'était difficile aussi de faire des choix, je vous propose aussi celui de Jean-Louis Schiss, qui est dirigé par Jean-Louis Schiss, parce qu'il y a plusieurs chapitres qui ont été rédigés par des personnes qui sont expertes de ce terrain. Donc, immigration, école et didactique du français. J'aurais pu en mettre d'autres, notamment celui de Nathalie Auger, etc., mais je la cite plus loin. Et puis, Cécile Goy, avec Des élèves venus d'ailleurs, qui est un best-seller, puisqu'il est beaucoup lu, il est beaucoup utilisé, et il vient d'être réédité et réactualisé en 2015. Donc, c'est un ouvrage vraiment qui fait sens, qui est de bon sens, et qui donne voilà, des indications très claires sur les différents points là, qui viennent d'être abordés, avec aussi des pistes de travail. Alors, j'enchaîne sur mon troisième point. Je vous rassure, les deux derniers, je les ai fait plus rapidement parce que je m'étais dit que je n'aurais pas le temps d'arriver jusqu'au dernier, donc je vais réduire. Donc, plus on avance, plus les points vont comme ça un peu se réduire. Alors là, c'est allophonie. Donc, je vais vous. Ça va être allophonie. Donc, vous avez compris, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant du titre, c'est avoir une autre langue. Donc là, j'ai voulu faire une mini. Mise en situation, c'est quelque chose qu'on mène lorsqu'on fait de la formation ou lorsqu'on fait, par exemple, on travaille avec les étudiants de licence, de master, etc. Et on a nos collègues qui sont didacticiens de mathématiques qui font la même chose. Donc il y a un groupe qui s'appelle MathMonde à Paris Diderot et qui invite des enseignants de mathématiques de différentes langues. Alors des fois, ils vivent en France, mais ils sont dans des sections bilingues. Mais ils les invitent à faire un cours de mathématiques dans une autre langue pour mettre en situation. Donc là, je vais vous le faire très rapidement avec Kirichenko et Okuevetskaya. Donc on va partir en Russie. En Russie, au niveau collège. Alors, j'ai pas su exactement. Ça va être très bref. C'est sur le triangle et c'est entre niveau collège. Donc, j'ai pas regardé le programme mathématique en France pour savoir exactement à quelle classe ça correspond. Mais vous, qui faites votre concours, vous devez mieux savoir que moi. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, pour les besoins de la présentation, je l'ai coupé. Mais vous pouvez retrouver l'intégralité sur le site de Paris Diderot. Vous avez une h высоту, которую мы хотим использовать в этом треугольнике. Значит, на расстоянии h проводим параллельную стороне AB. Эта параллельная пересекает стороны AC и AB в точках M и N относительно. На отрезке МН строим середину, точку середину. Через эту середину проводим перпендикуляр к стороне МН. И точка пересечения этого перпендикуляра со стороной АВ дает искомую точку К.
arrive. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle russe, là. Mais est-ce que vous auriez pu, sous la dictée de cet enseignant, réaliser la figure géométrique, la construction géométrique dite? Vous avez compris? Oui, vous avez compris. Voilà. Ah, les maths. D'accord. La construction qu'elle a menée. D'accord. Il y a des mots peut-être que vous avez compris aussi. Parallèle. AB. Perpendiculaire. AB. Donc c'est très aidant. Donc on peut s'appuyer sur, ben, sur la compréhension de termes qui sont analogues. On peut s'appuyer sur ses propres compétences en mathématiques. Et Karine Millon-Fauré, qui est didacticienne de mathématiques, vous voyez comment elle a travaillé sur sa thèse, justement, sur les compétences en mathématiques des élèves allophones, et elle voyait comment les élèves pouvaient s'appuyer sur leurs compétences pour faire des transferts et réussir tout à fait certaines activités en dépit des compétences en langue française. Moi, je me souviens d'un cas d'un élève, c'était assez impressionnant, parce qu'il avait passé un examen, le CFG, au brevet, il avait eu un 1 en français, 1 sur 20, et en mathématiques, il avait eu 10, parce qu'il y a des choses qu'il avait réussi à réaliser. On a vu aussi au niveau des études que la communication, enfin toujours avec Karine Millon-Fauré, qu'au niveau de la communication usuelle, en effet, il n'y a pas forcément un lien immédiat avec la réalisation de certaines tâches en mathématiques. Alors ça, c'est un point. Un autre point, c'est, je ne sais pas si ça vous a paru long, c'était 1 minute 30 peut-être, là, vous avez entendu du russe. Il faut penser que les enfants, ils le font toute la journée. Enfin, autour de 8 heures, voilà, ils commencent, s'ils vont à la garderie, enfin, c'est pour les plus petits, ils commencent tôt et puis finissent tard, hein, 16h30, 17h, etc. Donc il faut penser toute la journée, être comme cela, attentif, parce que là, ça a été, voilà, c'est rien, 1 minute 30. Mais il faut être attentif toute la journée. Donc c'est extrêmement lourd, c'est quelque chose qui peut même physiquement être dérangeant pour l'enfant. Ce n'est pas inhabituel que certains enfants se plaignent d'avoir mal à la tête, mal au ventre, de physiquement être épuisés avec la charge linguistique. Ça, on l'entend chez les jeunes. Donc voilà, ça peut même physiquement avoir un effet. Alors, voilà, on peut s'appuyer sur ses compétences, on peut aussi, on s'entend aussi avoir des difficultés à suivre. Et puis, on a aussi, dans le fait d'être confronté à une nouvelle langue, on n'a pas forcément les mêmes priorités que l'adulte. Ce qui vous paraît important peut-être de retenir ici, en tant que professeur de mathématiques, c'est que l'enfant, il est bien retenu, qu'il faut qu'il y ait une perpendiculaire, mais l'enfant, peut-être, lui, ce qu'il a retenu, c'est un autre mot, qui n'est pas du tout l'objectif ou l'objet du cours. Donc, voilà, les priorités entre l'enfant et l'adulte ne sont pas forcément convergentes. Alors, il y a des démarches, alors là, je ne peux pas l'évoquer, parce que là, je vais faire un peu de saupoudrage très rapide, mais il y a des démarches clés sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler avec le plurilinguisme ou multiculturalisme, je veux dire, de l'élève, et l'intégrer sur le plan pédagogique. Alors, je le dis quand même parce que finalement, quand on va sur le terrain, c'est très peu travaillé. C'est très peu travaillé. On voit beaucoup d'enseignants, et ça, c'est tout à fait à leur honneur et à l'honneur de la classe, où on va valoriser les langues en les montrant. C'est-à-dire qu'on va avoir un affichage de classe où on souhaite bonne année dans toutes les langues, où on va avoir un petit mot dans toutes les langues. Voilà, on va la voir, la langue. On va voir la langue des autres. Et ça, c'est déjà une belle place pour les langues des élèves. Mais sur le plan pédagogique, il y a des élèves, dans le reportage, je ne sais plus, le premier reportage, je crois qu'il parlait de 20 langues, mais c'est une richesse incroyable. Imaginez avoir dans votre établissement quelqu'un qui parle ourdou, qui parle benjabi, qui parle thaï, qui parle chinois, enfin, c'est incroyable, il y a une richesse incroyable, et finalement, ce n'est pas forcément inscrit au programme ou à l'ordre du jour dans la classe. Et s'il y a une perdition à la fois pour les élèves, une perdition peut-être des fois de leurs compétences, et puis une perte aussi pour l'intérêt général, parce que c'est extrêmement riche pour tous ceux qui aiment les langues. Et même, c'est quand même assez formidable d'avoir des locuteurs de ces différentes langues. Alors,
Ça peut donner lieu à des échanges de langues, des langues offertes à travers des projets. Je pense à certains projets où les élèves font des cours de leur langue de 10 minutes ou de 15 minutes pour faire une initiation un peu sur modèle d'éveil aux langues, quelle que soit la classe d'âge. Hein. C'est-à-dire, ça marche avec des petits, ça marche avec des grands. Il y a des propositions pédagogiques qui sont mises en place dans certains établissements qui vont exploiter, par exemple, la journée des langues. La journée des langues, voilà, on va permettre de découvrir les langues des autres. Mais ça peut être quelque chose qui est un projet qui est plus régulier au long de l'année. Les langues aussi, c'est toujours très étonnant, c'est que les enfants n'écrivent pas leur langue sur leur cahier. On se dit, moi personnellement, quand je vais à l'étranger, j'ai besoin de transcrire, j'apprends des mots à l'oreille, j'ai obligé de transcrire phonétiquement pour m'en souvenir. Sinon, je serais incapable et puis ça me sécurise. Donc je l'écris avec du français, je fais mes petites traductions, etc. Puis je suis sûre, on partirait au Japon, on ferait aussi, on s'entraînerait avec la langue française. Et paradoxalement, eux, les enfants ne se l'autorisent pas. Parce qu'ils sont intégrés, qu'ils sont là, ils doivent apprendre à étudier la langue française. Et on voit leur cahier, très, très peu, même le dictionnaire, il reste caché au fond du cartable. C'est-à-dire que si l'enseignant ne lui dit pas, tu peux mettre ton dictionnaire, tu peux l'utiliser, va le chercher, tu peux écrire dans ta langue, bien sûr. Oui, on apprend une nouvelle langue en s'appuyant sur notre langue aussi. Vous étudiez vous-même des langues pour... voilà, vous en avez un long parcours aussi jusqu'à l'université, vous appuyez sur vos langues. Donc c'est toujours très étonnant que la médiation... Ensuite, sur le plan de la médiation, la traduction, il y a aussi plein de projets pédagogiques formidables à réaliser, où on travaille avec les langues d'origine. Moi, j'aime beaucoup, je voyais des projets où on travaille sur raconter le Japon rouge dans sa langue d'origine, ensuite on la repasse en français, ensuite on repasse dans d'autres langues, et puis c'est très riche, en parlant avec d'autres langues, on apprend énormément de choses sur la langue française. Alors il y a des projets aussi, des moments pédagogiques, des temps pédagogiques, où on s'appuie sur les comparaisons des langues. Alors là, je vous renvoie, alors je ne l'ai pas montré, parce que je l'adore, c'est comparons nos langues, donc ça c'est un grand aussi, on le présente très régulièrement, donc je vous invite à regarder comparons nos langues, que vous trouvez sur Internet aussi, de Nathalie Auger, qui permet de voir des situations de classe où le professeur s'appuie sur la comparaison des langues pour faire apparaître certains phénomènes, par exemple métalinguistiques ou en grammaire, etc. Et vous voyez, c'est assez opérationnel. On peut travailler aussi sur l'intercompréhension des langues. Alors souvent, quand je l'évoque, moi je ne suis pas spécialiste, mais nous avons notre spécialiste qui est ici. Moi je présente tout modestement Euromania, parce que c'est un manuel où on peut avoir justement ces exemples d'exercices, alors avec le Morlock, où on voit des exercices qui sont dans différentes langues romanes et que les élèves peuvent comprendre. Voilà, passer du portugais à l'occitan, passer en italien et réaliser des cours de sciences dans différentes langues. Donc ça peut être aussi produit avec les élèves en écho. Et puis, le travail aussi sur le plurilinguisme est intéressant pour les relations école-famille. Et là, je pense à un projet qui est assez récent, le projet ROMTEL, qui a été présenté par Nathalie Auger aussi. Et puis, Brahim Azaoui aussi avait participé, il me semble. Donc le projet ROMTEL, c'est un projet qui a associé les familles pour réaliser des cartels dans un musée de la ville avec les langues de la famille. Donc voilà. Donc ROMTEL, vous pouvez aussi retrouver ça sur Internet. Donc voilà, très rapidement, j'éparpille, hein, je mets des petites idées comme ça. Je vous invite à vous y reporter. Alors sur le coin biblio, ben, j'ai mis Nathalie Auger parce que je sais que ça... C'est quelque chose qui parle bien et sur lequel vous pouvez rapidement vous appuyer. Aussi, j'ai mis la référence à Castellotti, Coste et Duverger, proposition pour une éducation plurilinguisme en contexte scolaire, que l'on peut retrouver sur le site de l'ADEB. Voilà. Donc ça, c'est de 2007. Et pour Castellotti, vous avez aussi un ouvrage qui est intéressant, qui porte sur la place de la langue maternelle en classe. Donc, j'avais aussi cité. Voilà. Alors, l'ADEB, c'est l'Association pour le développement de l'enseignement bi-plurilingue.
former le lien un peu plus loin. Et puis, j'ai mis, parce qu'il y avait Pierre Escuté, mais moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus, donc je n'ose même pas me prononcer sur la question de le point sur l'intercompréhension, clé du plurilinguisme. Et je pense que peut-être il pourra justement compléter là-dessus pour voir sur le plan pédagogique quelles sont les pistes à exploiter. Alors, pour presque l'avant-dernier point, donc l'appropriation du français langue seconde. Donc, les élèves arrivent suite à une trajectoire migratoire, ils sont scolarisés, ils ont un parcours, ils ont un bagage, ils ont des compétences très riches, avec une scolarité antérieure où ils ont développé beaucoup de compétences. Des compétences que j'appelle compétences dormantes parce que certaines ne vont pas être réutilisées et réinvesties en milieu scolaire. Et puis, souvent, l'objectif qui est réitéré, c'est l'appropriation de la langue française. C'est cet objectif qui a conduit à la création de dispositifs particuliers. En 1970, lorsque les premiers dispositifs ont été institutionnalisés, c'était avec l'objectif de l'apprentissage de la langue française. Alors, sur l'appropriation du français langue seconde, il faut voir un petit peu l'adéquation entre le rythme de l'apprentissage de l'élève et puis ce que offre l'institution. Donc ça, c'est ce sur quoi je travaille plus particulièrement dans mes travaux. Apprendre une langue nouvelle, une langue seconde, ici pour ce contexte, hein, en milieu homoglotte, c'est-à-dire ils sont autour d'eux, dans leur environnement, il y a la langue française, ça prend du temps. Alors, dans mes recherches, je l'ai développé de différentes façons, en travaillant sur la compréhension de l'écrit, sur la production de l'écrit, sur la compréhension de l'oral. Et ici, parce que c'était plus rapide, je me suis dit, ça va être peut-être plus... peut-être un peu plus parlant aussi pour le montrer. Je vous ai pris une situation de fluence. L'activité de fluence, c'est lire, par exemple, pendant une minute. D'accord ? Donc, on fait lire l'enfant pendant une minute et on compte le nombre de mots correctement lus. Donc, je vais partir de ces exemples à partir de 5 jeunes, du CM1 à la 3e, qui vont lire. Alors, je ne vais pas vous faire passer toute la minute, hein, d'accord ? Donc, c'est rapide, c'est illustratif, là. Je ne peux pas, je peux pas vous faire ça. Puis, donc, pour ce qu'on s'était posé, alors ça a été analysé aussi dans la recherche Evascol. Ce qu'on s'était intéressé, et puis il y avait Anne-Claudine Holler qui a participé sur ces activités de fluence, on cherchait à voir la distinction entre la façon dont les élèves lisaient dans leur langue de scolarité antérieure. Je ne dis pas leur langue première, hein, parce que des fois, ils n'ont pas appris à lire dans leur langue première. Ils ont appris dans une langue de scolarité première. Donc, vous voulez voir s'il y avait une différence entre leurs compétences de lecteur en langue de scolarité première et puis en langue française, pour voir comment ils avaient fait le transfert. Et puis, l'autre point d'observation, c'était essayer de voir l'affluence en langue française par rapport à des natifs, c'est-à-dire un élève de CM1, il lit en français maintenant, au bout d'un an en France, comment lit-il par rapport à un autre enfant de CM1 dans les moyennes. Alors là, on s'est basé sur les tests de cogniscience. Donc, il y a un gros effectif d'élèves qui a été testé pour une recherche antérieure dans laquelle on n'a pas du tout participé, mais on a fait toutes ces données qui nous ont permis d'avoir des indicateurs. Donc, je vais vous faire écouter des lectures, juste des petits morceaux, quelques secondes, pour que vous entendiez la voix des enfants lire dans leur langue, et puis ensuite, ils vont lire en langue française, donc assez rapidement. Doudak. Mais je sais pas parler turc, moi. Je me regarde, mais... Doudak var masan. Unosh. Paneta. Tem hoje é dia
ภาษาฝรั่งเศสในโลกปัจจุบันนี้ในโลกมีพลเมืองประมาณ 6,000 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประมาณ 200 ประเทศคือมลรัฐ Gezegenimizde yaklaşık 200'e kadar ülke ya da devlet yaşayan yaklaşık 6 milyar insan var. Bu ülkelerde yaşayanlar farklı Francês no mundo. O nosso planeta tem hoje em dia quase 6 bilhões de habitantes que vivem em 200 países ou estados. Donc là, on entend qu'il y a des élèves qui sont en difficulté de lecture, certains qui se débrouillent, puis d'autres qui lisent très très vite et qui ont plus la science, notamment la jeune fille qui lit en taille, qui est très rapidement. Certains ont appris à lire dans une langue seconde. D'accord. Hein, là, on voit par exemple, il y avait Antonio, il avait le créole en langue première, il a appris la langue portugaise. Et puis Sally, il avait en langue première turque, mais il a appris à lire en bulgare. D'accord. Donc ce sont déjà des élèves qui ont quand même développé des sacrées compétences, même en termes de plurilinguisme. Alors, certains sont en difficulté, d'autres plus à l'aise. Alors, on va écouter maintenant en langue française. Et puis, je vous ferai une rapide synthèse. C'est l'auteur du mot mesure petit qui. L'histoire dit. Moi petite qui vit dans une ville, maison. C'est l'histoire de mon saint petit qui vit dans une ville, maison. C'est l'histoire de Monsieur Petit qui vit dans une ville, maison située au cours d'une ville, village, la maison est entourée. C'est l'histoire de Monsieur Petit qui vit dans une vieille maison située au cours d'un vieux village. Alors. Certains avaient des compétences en pleine construction, ils étaient au stade du décodage. Ce qui est intéressant pour eux, par exemple, c'est aussi de consolider dans la langue sur laquelle ils venaient d'apprendre. Donc on peut encourager, par exemple, à ce qu'ils poursuivent aussi la lecture aussi dans leurs autres langues. Hein, qu'on lise, quelle que soit la langue, on apprend, on a des compétences de lecteur. Alors certains élèves ont continué à progresser, en langue française. Et puis certains, au contraire, ce qu'ils donnent à voir, à entendre, c'est de la difficulté de lecture, alors qu'ils n'étaient pas en difficulté dans leur langue. Donc c'est très dur lorsqu'on est, surtout qu'ici, et puis les personnes qui écoutent, ce sont plutôt des bons élèves ou d'anciens bons élèves, c'est très difficile quand on est un bon élève de se retrouver dans une situation où on est catégorisé mauvais élève. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie, des fois il y a eu des sacrifices aussi de la famille par rapport à la scolarisation, et puis il y a une autre représentation. Une des élèves qui c'était très violent, par exemple, a été notée 1 sur 20 en langue française. Donc c'est pas forcément, c'est pas évident. Donc déjà au niveau de la représentation. Et puis, il y a des faits aussi. Alors, il y a aussi cette représentation. Il y a aussi un autre point que je voudrais souligner par rapport juste à ce point d'étude. C'est que les élèves, même si vous n'avez pas eu le temps, évidemment, on n'a pas le temps d'analyser, mais Carlos lisait très, très lentement. Tous lisaient beaucoup plus lentement que le plus lent des natifs. Dans tous les cas, ils avaient tous des scores en inférieur. Sauf une élève en primaire. Mais sinon, les autres avaient des scores inférieurs. Et pourtant, ça n'impactait pas forcément sur leur compréhension. C'est-à-dire que si on leur laissait plus de temps, ils arrivaient très bien ensuite à réaliser certaines tâches. Je pense à Carlos, qui a eu son brevet avec mention et qui est parti en lycée.
Donc ça pouvait donner aussi une impression assez négative sur ces élèves lorsqu'on le fait en lecture oralisée. Et puis ça montre qu'ils ont besoin plus de temps pour tout, même pour lire un texte. Donc là, tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui me contactait par rapport à la question du tiers-temps. En effet, nous, dans le rapport des Vascoles, on a évoqué la question du tiers-temps, le fait d'avoir plus de temps aux examens. Parce que tout prend plus de temps. Le décotage, la compréhension, le fait d'avoir ces différentes focalisations sur le... Voilà, tout prend plus de temps. Et le rythme d'entrée dans la francophonie est aussi plus ou moins rapide. Certains vont rentrer très rapidement et d'autres pas rapidement. Donc on ne peut pas comparer les élèves les uns avec les autres en disant « Oui, mais lui, il apprend très vite. Oui, mais lui, c'est un autre. » C'est un autre. Donc il va y avoir des entrées différées dans la langue pour de multiples causes. Donc j'ai cité, le temps de l'enfant n'est pas celui de l'adulte. Alors les différentes causes, je ne peux pas les évoquer parce qu'il y a plusieurs différents paramètres. Il y a par exemple l'insécurité linguistique, il y a aussi ce que Cécile Goy appelle le conflit de loyauté, le fait de ne pas vouloir s'engager dans une langue nouvelle parce qu'on a quitté un pays, on a quitté des fois des langues, et donc ça, c'est difficile de s'engager vers une nouvelle langue. C'est pas évident d'accepter la nouvelle langue. Les enfants ne sont pas forcément en adhésion sur ce projet migratoire, donc certains vont avoir plus de temps, certains pensent au retour dans le pays, d'autres... Voilà, il y a plusieurs facteurs, il y a aussi les conditions de séjour, il y a plusieurs facteurs que je n'aurai pas du tout le temps de détailler. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a un lien. Moi, dans mes recherches, puisque c'est vraiment le cœur de mes recherches, il y a quand même un lien avec les compétences initiales, c'est-à-dire des élèves qui ont des compétences scolaires, qui correspondent à leur cycle, vont avancer plus rapidement que d'autres élèves, quelle que soit la langue, c'est-à-dire que l'élève peut avoir une langue très éloignée. Je donne un exemple, par exemple, d'un élève éthiopien qui était de langue amharique, il allait plus rapidement qu'un élève portugais. Qui est pourtant une langue avec une proximité linguistique avec le français, tout simplement parce que ses compétences scolaires étaient plus fortes. C'est ce qu'on a vu un peu pour les mathématiques, où certains arrivent plus facilement à faire des transferts parce qu'ils s'appuient sur la solidité de leurs compétences scolaires. En tout cas, la conclusion un petit peu pour vous, en tant qu'enseignant en poste ou futur enseignant, c'est que le rythme d'appropriation des élèves ne correspond pas autant de mise en place de dispositifs linguistiques. C'est-à-dire que les élèves sont inscrits en unité pédagogique, mais c'est seulement pour une année. Ensuite, il peut y avoir un petit suivi. Mais ça veut dire que l'année suivante, ils se retrouvent en classe régulière. Et ils sont toujours dans l'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'on a passé une année en UPE2A que ça y est, on n'a besoin de plus rien. Donc il y a toujours besoin, ce sont toujours des élèves à besoins éducatifs particuliers, des besoins qui sont envisagés dans un temps plus long. Alors pour donner des repères, ça c'est sur un échantillon de 180 élèves, par exemple, un élève qui est complètement non francophone lorsqu'il arrive, il a... Au cours de la troisième année en France, il arrive au niveau B1, d'après le cadre européen commun de référence pour les langues, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre un petit peu tous les sujets très généraux, il commence à être capable d'argumenter, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, parce que sinon, ce n'est pas le propos. Donc ça, c'est une conclusion, en tout cas pour les enseignants, c'est qu'en effet, ces besoins sont à prendre en compte, et dans le quotidien de la classe. Et puis, un autre phénomène qui est vraiment apparu pour cette recherche des Vascoles, mais aussi pour ce que j'avais vu au moment de ma thèse, c'était la nécessité des interactions entre pairs et multiplier ces interactions avec les natifs. C'est-à-dire que les élèves, lorsqu'ils arrivent en classe, le matin, à 8h30, ils s'assoient en classe et des fois, ils ne parlent pas. Le professeur parle beaucoup. Alors, lorsqu'ils sont en UPE2A, ils vont parler, mais avec d'autres élèves qui ont une compétence, ils sont en interlangue française. Et puis, il y aura un seul interlocuteur pendant toute la journée, ça va être le professeur de français. Et puis, à la cantine, souvent, ils sont seuls. Alors, certains vont aller jouer au foot, d'autres restent sur le banc tranquillement à attendre que l'heure passe, etc. Mais ils mettent en place des activités qui favorisent les interactions avec des natifs. C'est quelque chose qui est vraiment
essentielle. C'est pour cela que l'inclusion est vraiment essentielle. Et il ne faut pas la différer, même pour les élèves peu scolarisés antérieurement, parce que c'est là où il y a aussi toutes les relations sociales qui s'établissent. Hein, parce qu'avant d'être des migrants, avant d'être des allophones, ben, ce sont des enfants et des adolescents. Et puis en plus, ça permet de multiplier les interactions et développer des compétences langagières qui sont à valoriser. Alors, en termes, mes trois points biblio, progression linguistique, donc ça c'était ma thèse qui est en ligne. Je travaille avec Karine Mignon-Fauré en didactique des mathématiques, et puis une recherche, mais sur l'équivalent, mais du côté américain, Thomas et Collier, qui ont aussi travaillé sur le rythme de l'appropriation des langues secondes en milieu scolaire. Je vois que le temps file. Et tu me fais des signaux. Donc, c'est mon dernier point. Donc, mon dernier point, je savais que je n'avais pas le temps. Donc, je me suis dit, je vais juste faire un point d'information sur la formation. Donc, l'enseignement, c'est on enseigne le français en tant que langue seconde en milieu scolaire, c'est qu'on enseigne le français et on enseigne en français. C'est la particularité. En FLE, on enseigne le français, c'est-à-dire la visée, c'est que les élèves puissent parler le français. Mais là, il n'y a pas que cet objectif. Il faut aussi enseigner sa discipline en français. Donc, il y a un double enjeu. Donc, c'est à la fois des défis et des réussites des élèves et des enseignants, pour la réussite de tous. Parce que finalement, ce que ça apporte des gestes professionnels aussi, quels que soient les élèves. On va pas, vous y retrouvez aussi ce qui est développé en termes de réflexion, en termes de gestes professionnels. C'est tout à fait utile, quelle que soit la classe et quels que soient les élèves. Alors là, c'est mon petit point formation pour les futurs professeurs. Donc, pour se former sur ces questions, vous avez la formation continue, donc vous verrez. Donc il y a formation au plan académique de formation. Donc ça, c'est vous, en tant que futur professeur, vous inscrivez. Il y a des formations annuelles. Par exemple, si vous souhaitez postuler sur une UPE2A ensuite, dans ce cas-là, il y a des formations qui sont réservées pour les enseignants qui sont dans des dispositifs, généralement plutôt les professeurs de français. Et puis, vous avez des formations locales, c'est-à-dire que vous sollicitez dans votre établissement qu'il y ait un intervenant extérieur qui assure une formation. Et ça, c'est très intéressant parce que vous travaillez avec votre équipe. Donc, c'est beaucoup plus riche, ça permet de travailler en interdisciplinarité et puis avec les personnes en place et pour les élèves que l'on connaît en équipe. Alors, qui est puni et qui est le mauvais élève? C'est des fois la formation pour les certifications. C'est-à-dire que vous avez pour le CAPES l'option français langue étrangère et seconde. Donc, c'est depuis 2013, il y a une option français langue étrangère et seconde au CAPES de lettres modernes, sauf qu'elle n'est pas préparée dans toutes les académies. Donc, si elle est préparée, tant mieux. Sinon, c'est à vous de vous auto-préparer. Et puis, une fois que vous êtes en poste, vous avez la certification complémentaire de FLS. Et là aussi, ça dépend des académies, mais des fois, l'offre de formation est un petit peu légère, voire inexistante. Donc, les professeurs des autres disciplines, ils sont moins touchés par la formation. Il vous reste aussi la fac. Venez dans les universités, dans les masters, on fait aussi des cours sur la didactique du FLSCO, etc., etc. Voilà, pour le français langue seconde, moi je vous invite à aller dans un texte de Jean-Pierre Cuc, le français langue seconde, origine d'une notion et implication didactique, qui permet de restituer en fait ce que c'est le FLS, et puis sur le plan pédagogique, Michel Bertagnan-Bourgade et Gérard Vigné, et il y en a d'autres, mais voilà, j'ai fait le choix de trois. Voilà, et ça c'est ma page pub. Donc, vous retrouvez les bibliographies, les informations sur le site français langue seconde. Avec des étudiants, on a fait un petit groupe UPE2A recherche et ressources. Vous pouvez vous inscrire. C'est pour discuter sur des questions de classe. Pour ceux, les Bordelais, si vous voulez avoir des expériences d'enseignement auprès d'un public migrant, mais adulte, il y a l'association M auprès des migrants et des exilés. Et donc là, c'est en partenariat avec l'Université de Bordeaux, puisque cette association est hébergée dans l'Université de Bordeaux. Vous avez tous les éléments, toutes les ressources sur le site de l'ADEB qui a été évoqué. Et là, vous avez énormément de brochures qui sont utiles et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et puis, vous avez aussi les cahiers pédagogiques, je vous dis, pour en tant que praticien. C'est des associations avec lesquelles je travaille plus particulièrement. Voilà, merci.
Il nous reste à te remercier chaleureusement. Merci beaucoup. Bon, le temps est compté, mais quelques questions peut-être.